Je vais avoir des problèmes, la vérité. Non, moi je suis un malade, les gars. Non, mais c'est les Yakuza, putain. Il faut que je regarde ce qui se passe. Je suis pas discret là, par contre. Hein. On va faire un truc de ouf là, les gars. Imagine, on est poursuivi pour complicité. Normalement, pour ce braquage, il y a toujours un flic en haut ici en sniper. Ils ont changé de stratégie. Le problème, c'est que je suis en rouge, bordel de merde. Là, on est bien placé. Regarde, regarde, regarde. On va se prendre une balle, on va rien comprendre, les gars. Pourtant, c'est pas moi qui fais le braquage, mais je regarde le spectacle. Des flics partout. Elle est où, 69? On va observer comment ça se passe. Elle est là, elle est là. Putain, quand je pense qu'elle peut mourir à tout moment. Dommage, je peux pas entendre. Hein. Ils ont barricadé la zone, ils ont fermé partout. Là, ça veut dire qu'il y a un otage à l'intérieur, ils ont dit. Je sais qu'il y a un accès ici de la banque, un entrée ici. Leurs véhicules sont juste devant ici. Ok. Qu'ils ont préparé d'autres véhicules. Qu'il y aurait pas quelqu'un qui se cache quelque part. Eh, hey, c'était pas prévu, ça, je vous jure. Mais là, frère, je suis pris dans l'action, là. Regardez, les frères, les pompiers, ils ont emmené les trucs et tout. Et les gars, vous trouvez pas ça incroyable ce qui se passe là? On assiste à un truc de ouf, là. C'est pas tous les jours qu'on vit ça. Ah, moi, je regarde, moi. Je suis curieux. J'ai pas encore fait de braquage de ma vie, je sais pas comment ça se passe, hein. Mais par contre, je vois pas Takayo. Et les mecs, ils sont même pas masqués. Mais what? What the fuck? On va attendre, on va voir comment ça va se finir, cette histoire. On filme tout, on filme là en même temps. Oh putain, ça a explosé! What? Ça peut être trop fort! Il doit pas rester ici normalement. Ils sont en train de faire sauter les coffres. Et personne ne me voit, j'en peux plus. Imagine là, je vais me faire zoomer, là, je me taille en courant, la vérité. Hein. Je suis là! Ah, je rigole, je rigole, je rigole. Ils vont partir là, non? J'entendais pas. J'entendais pas! K69, elle bosse dur. Pour l'instant, il y a 3 Yakuza. Il doit avoir un otage à l'intérieur. Eux, ils surveillent, ils guettent à l'extérieur. Et à l'intérieur, ils font les coffres, ok? On dirait on est journaliste. Ça y est, on a trouvé notre nouvelle voie. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, on se retrouve en direct sur Exa News. On est en train d'assister à un braquage en direct. On ne sait pas ce qui se passe là. Que vous me recevez là, à l'antenne là? Oui, voilà, oui, apparemment. 3 individus armés avec des fusils d'assaut. Ils ont l'air d'être très dangereux. Ne pas rigoler, on a entendu à plusieurs reprises des explosions, ça n'a pas l'air d'être des rigolos. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Pour l'instant, les flics sont déjà sur les lieux. Ils ont, voilà, sécurisé la zone. Mais à tout moment, ça peut partir en bain de sang. On ne sait pas. En tout cas, nous avons reconnu les Yakuza avec leur tenue. Mais ce qui est étrange, c'est que les individus ne sont pas masqués. On dirait que, voilà quoi, ils s'en battent les couilles de leur vie actuellement. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Pour l'instant, les flics resteraient sur la défensive. Ils n'ont pas le choix parce qu'à l'intérieur, apparemment, il y a un otage. Donc on voit, on vous tient au courant pour les prochaines news. C'était Oliver Winters. À la prochaine. Voilà, les gars. J'en peux plus. Oh, oh putain, j'ai vraiment sursauté. Mais putain, mais c'est quoi ça? Eh, imaginez, j'étais dans la peau de Tom. J'aurais mis un drone. J'aurais allé espionner. Mais non, je peux pas. On va appeler Ailey aussi, qui voulait me parler apparemment. Je suis actuellement en train d'assister à un braquage. Je suis sur un toit. Je regarde tout. Qu'est-ce que vous foutez là? Ben, je sais pas. Je suis pris dans l'action. Mais Oliver, tu peux pas respirer. Non, mais... Si je fais un geste, je peux à tout moment me prendre une balle. Donc j'assiste. Ça va pas? En tout cas, j'ai l'impression de vivre un film. Là, je peux pas. Je suis scotché. Oui, ouais. Donc je suis là posé sur un toit et je regarde ce qui se passe. Ah, mais faites attention à vous. C'est dangereux là. Ce que vous faites, non? Mais non, écoute, n'inquiète pas. Alors, tu voulais me parler, je parle pas trop fort. Ouais, elle avait fait quoi avec ma soeur? Je l'ai retourné dans tous les sens. Ah, comment ça, elle a retourné dans tous les sens? Oui, oui. C'est-à-dire? Je l'ai pris et je l'ai traité comme une crêpe. Comment ça, vous l'avez traité comme une crêpe? Mais ça va pas? Je l'ai fait sauter. Hein? Attendez, vous avez. Je l'ai allumé. Comment ça, vous l'avez allumé? Mais non, mais arrêtez un peu, vous avez promis non, avant de partir. Je l'ai éteint surtout. Que... C'est vraiment non, très drôle, hein. Non, mais je te fais une boutade. Oula, attends, nous sommes en direct. Attends, je dois reprendre l'antenne là, que maintenant je suis journaliste. Eh, on reprend l'antenne. On est en direct actuellement. On entend maintenant les pompiers qui arrivent. Apparemment, il y a du mouvement qui se passe. L'individu commence à pointer son arme sur son propre coéquipier. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a de l'embrouille à côté d'eux. Voilà, si t'entends ça, Ailey. Oulala, il y a de l'action là. Faut que je regarde. Oh, l'otage. L'otage, il est là, les gars. C'est qui l'otage? Est-ce qu'ils vont réussir à sauver l'otage? On va voir. Et j'aimerais bien savoir qui va gagner là. Là, je suis curieux. Là, je suis pris dans l'action. Est-ce que les Yakuza vont s'en sortir ou est-ce que les flics ils vont gagner? En tout cas, ils sont mal barrés parce qu'ils sont pas masqués déjà. Hein. Ils ont mis des hers. Ils ont mis des hers, les malins. Il y a pas de Takayo, les gars. Ok, ils ont vu les hers. Ils ont demandé aux flics d'enlever les airs. Je comprends, même sans être là, je comprends, les gars. Que va-t-il se passer? On est dans l'action. Non, ils vont faire rentrer un colotage. C'est pas prêt d'être terminé, à ce que je vois, hein. Imagine, quelqu'un arrive dans mon dos, putain. Les pompiers, ils jouent trop bien et tout, hein. Et là, je saute en parachute, j'arrive. Non, je rigole. J'aimerais bien qu'on me voit. Faut pas que je tombe. Non, 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 non. Faut pas qu'on me voit. Faut pas qu'on me voit. Là, on s'est mis autre. Oh, il m'a vu! Il m'a vu, il était en train de me regarder. Je crois qu'on m'a vu. Je crois qu'on m'a vu. On m'a vu, putain. Non, c'est bon. Je sais pas, on dirait qu'il y a un flic qui m'a pointé à un moment donné. En plus, je suis en rouge comme les Yakuza. On va se mettre de l'autre côté. Wow, wow, wow. Hey, de toute façon, je fais rien, je fais que filmer, hein, je suis dans mon droit. Hein. Oh, c'est incroyable la scène, les gars. Regarde tous les camions pompiers, toutes les flics, c'est fermé partout. Mais c'est incroyable, les gars. J'espère que les Yakuza vont s'en sortir. Je vais envoyer un message sur son net. T'es belle quand t'es harieuse. Allez, regarde ton téléphone, bordel. Elle veut pas regarder son téléphone, hein. On va venir vous aider, vous êtes où? C'est trop dangereux. Ils vont venir, mais c'est des malades. En fait, les filles, elles pensent que je suis en danger.
Nous assistons là à un événement incroyable en tout cas, hein. C'est le temps de manger un coup, hein, la vérité, hein. Oh, ils vont partir là, on dirait, regarde. Regarde comment ils se collent dans le véhicule. Ça se peut, il y a déjà un conducteur qui est caché dans le véhicule. Est-ce que ça va être la fin de 69 ou la fin des Yakuza, la fin des flics? Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que les flics, ils sont trop rassemblés au même endroit, non? Pas ce que vous en pensez. Après, peut-être ils ont une technique, hein, chacun son truc. Je suis pas flic pour savoir, mais j'ai entendu ça a pété là. Vous aurez peut-être dû faire des stratégies, je sais pas, pour les bloquer. J'ai entendu quelqu'un rentrer dans un véhicule là. Oh, ils sont là, les filles! Ils sont là, elles sont là, putain, regarde! Je les vois en bas, leur tête là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont me faire cramer, elles vont me faire cramer, putain, non. C'est elle ça, ses cheveux là, je reconnais, oui. Un flic qui les parle. Dis pas aux flics où je suis. Eh, c'est quand même les meilleurs, hein. Elles sont venues parce qu'elles pensent que je suis en danger. Et je crois qu'elles ont roulé dans le truc là, leurs pneus, ils ont crevé, non? Regarde, ça a pété leurs pneus. On va aller voir. Les gars, ça tire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose. Oh, ils vont raid, ils vont entrer à l'intérieur. Oh là là là, 69, attention à toi, les gars, 69. Oh my god, c'est incroyable ce qui se passe là. J'adore. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un otage. À moins que l'otage est parti, je sais pas. Le problème, c'est que je comprends pas. Faut que quelqu'un surveille la porte là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Yakuza, là? On met grand comme ça, on voit. Voilà, ils ont compris. Il y a deux entrées. Il y a deux, trois qui veillent là-bas aussi. Mais le problème, s'ils ont un otage, ça va être la merde, hein. J'ai pas vu s'ils ont récupéré l'otage ou pas. Bon, attends, on va voir, de toute façon. Hein. Ils vont rentrer. Oh non. Ils rentrent. Oh non. Je vais pas voir ce qui se passe. Ça va me stresser. Oh non, ils ont tous rentré. Mais c'est des malades. Mais là, la porte là, comment ils ont fait? Pourquoi ils sont rentrés dans un seul entrée? Oh, je suis pas flic, mais je sais pas. C'est pas risqué. Et l'otage 69, est-ce qu'elle va rester en vie? Je sais pas. Oh là 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 là. Et j'entends des gens monter l'échelle là. Ne me dis pas que c'est eux. Attends, moi je peux pas. Attends, il faut que je regarde. Eh, ils me font rater mon film là. Il y a des gens qui arrivent, hein. Est-ce que c'est les filles? Putain, vous m'avez fait flipper, bande de trous du cul. Qu'est-ce que vous foutez ici? Mais c'est toi qui m'as envoyé la pause. Mais je t'ai envoyé la pause au cas où. Les flics, ils sont rentrés à l'intérieur. Ils sont en train de raid là. Venez voir. Ne faites pas cramer. Restez pas ici, vous êtes en danger. Moi j'assiste parce que je joue analyste maintenant. Allongez-vous, voilà. Mais 69, elle est pas ressortie, putain. Pourquoi on est là-dedans aussi? Oui, ils sont tous rentrés là. Il se passe quoi là-bas? Un braquage, des Yakuza. Les Yakuza, ils étaient pas masqués. Et là, ils avaient un otage. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vu la scène parce que j'ai entendu vos pneus crever là. J'étais sûr que c'était vous, bande de trous du cul. Je suis venu vous voir. Mais on s'est fait tirer dessus. Oui, on s'est fait tirer dessus. Sérieux? Par les flics? Je sais pas, mais la voiture, elle a pris des balles. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas qui va sortir vainqueur. Mais en tout cas, il y a la tension pour l'instant. Nous sommes en direct sur Exa News avec les triplés à 10h001. Sachez que monsieur Oliver, je vous aime. Hein? Ouais, on vous aime fort. Bah là, franchement, vous me touchez parce que je m'attendais pas que vous allez venir. C'est moi qui ai dit à Ellie, on y va. On vit pas ça tous les jours, moi je vous le dis, hein. Je filme, moi. On va faire le buzz, on va faire un film. Oh, ils viennent là, attends, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, allongez-vous les filles. Moi j'ai vraiment peur, oh putain. Moi aussi je tremble. C'est la première fois que j'assiste à un truc comme ça. Mais y'a pas 69? Si, elle est rentrée à l'intérieur, putain. Oh. Ça se peut, elle est morte. Allez la sauver. Mais comment ça, elle est morte? Je vais la sauver. Allez-y, sautez. Non, sautez pas. Ça lui manquait après. Vous avez entendu parler du braquage au Moulin Rouge? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là. Ryan et tout. Après le mariage, il y a déjà, ils ont braqué. Ouais. Ah ouais? Quand? Tout de suite? Non, là, le jour du mariage a attaqué. Ok, putain. Bon, vous m'expliquerez ça après. En tout cas, vous avez tous les mêmes paires de fessiers. Ah, monsieur, comment vous êtes en train de filmer ça? C'est dans votre documentaire de journaliste ou quoi? Non, pardon. Mais vous avez l'habitude de les voir, hein. C'est les mêmes, on est d'accord, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Donc ça veut dire si je t'ai niqué toi... Bah t'as niqué mes sœurs. C'est comme si j'ai niqué tes sœurs. Allonge-toi. Non, mais j'ai dit si jamais. Allonge-toi. Si jamais on a fait quelque chose avec elle, ben tous les trois. Ouais, et surtout, vous levez pas sur l'autre toit, il y a des gens. Ça m'étonnerait que les Yakuza, ils sont tous dedans. À mon avis, il y en a, ils sont à l'extérieur. Ça se peut, ils peuvent arriver à tout moment sur ce toit. Sur les toits, c'est ce que j'allais dire. Je vais aller voir de l'autre côté. Faites attention. Il y a un hélicoptère. Oui, il y a un hélicoptère. On bouge pas. Je flûtis. Comment on s'allonge? Allongez-vous sur moi, c'est pas grave. Analysez. On dirait qu'on est devenu des journalistes. C'est un bon métier, ça. Mais ouais. Eh, hey, on peut faire ça, monsieur Oliver. Vas-y, prochain métier. Voilà. Chacun se coupe, on se met sur un radio, chacun se met sur un toit. Et on analyse tout ce qui se passe. Et on fait le buzz comme ça. Grave. Et après, on sort un journal. Et le lendemain, tout le monde a les potins de la ville. Hexagone. Je vais refilmer, les gars. Depuis tout à l'heure, il y a des explosions. Oh, l'hélicoptère est juste là. Vous savez, si on se fait choper par les flics, on est fini, hein. Trop excité, les mecs! Bon, il y a une voiture qui part là-bas. Ouais, il y a une voiture. Repérez. Les flics qui se sont dispersés, c'est bon, ils sont plus collés. Ok, parfait. Il y a une voiture noire qui arrive. L'hélicoptère, il se met en route. Attends, je vais essayer d'aller là-bas. Je vais filmer l'hélicoptère, moi. Ok, c'est des pompiers dans un hélicoptère de flics. Je répète, des pompiers dans un hélico de flics. Vous m'avez reçu? On va s'effondrer, j'ai peur. Ils sont en train de faire sauter la banque depuis tout à l'heure, les coffres forts. Mais
que je comprends pas, c'est que les flics ils sont rentrés à l'intérieur là. Ah, j'ai tout excité, j'adore ça. L'adrénaline et tout. Ah, comme nous quand elle va aller. Ouais. Non, mais elle va se calmer, elle est folle. Ah, désolé, c'est l'excitation là. Je reprends la caméra. Ok, pour l'instant à l'extérieur il y a 4 flics. Tout à l'heure j'ai compté, il y avait 9 flics total. Donc il y a 5 flics qui sont à l'intérieur. J'ai compté 3 yakuza, mais à mon avis il y avait d'autres à l'intérieur. J'essaie de contacter Kaio et j'ai pas de nouvelles. Hein. C'est beaucoup calme là. Je vais aller me rapprocher pour voir ce qui se passe. Mais ils font péter le coffre, il est solide à ce point ou quoi? C'est qui la meuf en bas là? J'ai une flic qui me parle à les nouvelles. Elle dit qu'ils ont que des tasers, ils ont pas d'armes. Mais monsieur Oliver, apparemment ça explose pas qu'ici. Ça explose où? Bah partout dans la ville. Quoi? Comment ça? C'est un ami à moi qui me dit faites attention à. Ah ouais, mais les explosions sont tellement fortes, c'est pour ça. Ah, mais c'est elle qui te répond là, regarde. Dis-lui de nous faire coucou. Salut, ouais. Oh mon dieu, l'effectif armé qui s'est pris des balles. 69. Quoi? 69, elle s'est pris des balles. 69. Attends, non, sérieusement, attends. 69, elle est encore en vie ou pas? Demande-la. Est-ce que 69, Amelia et le reste sont encore en vie ou pas? Alors, faites attention à vous, d'accord. Et tenez-moi au courant, s'il vous plaît, on tient à tout le monde. Ils vont essayer de réanimer certaines personnes. 69, elle est touchée. Amelia, elle va pas bien du tout. Il y a eu. Putain. Tous les hommes armés ont été touchés. Les Yazuka, eux, ils peuvent rien faire. Ils ont que des tasers. Putain, ça tire. Elle a pris des balles, Il y a une voiture qui fonce à côté. C'est bon, calmez-vous. À mon avis. Il y a des voitures. À mon avis, les Yakuza, ils vont vouloir sortir là. Ils vont tirer. Ils ont dû abattre les gens à l'intérieur. Ouais, ils ont que des tasers, hein, les forces de l'ordre. Hein. Ils ont pas d'armes. Je les ai vus avec des fusils d'assaut. Hein. Oh non, il a pris en otage le flic. On va se prendre une balle. Couche-toi. Ils vont vérifier les toits. Un de leurs hommes, ils se sont fait attraper. Ils se sont fait niquer. Mais sinon, ils ont niqué toutes les flics qui sont rentrés. Les malades. Oh, un flic s'est fait abattre devant mes yeux. Là, en bas, regardez. Oh putain, il y a du sang partout. Il s'est fait abattre le flic, je suis choqué. Allez, regarde, attends, il y a un yakuza qui se couche, toi. Il reste un flic vivant à gauche, là, vous voyez. Oh putain, il y en a un qui a été touché. Ils l'ont pas vu. Ça y est, part. Putain, et dès qu'ils partent, il faut aller voir à l'intérieur. Non, t'es malade ou quoi? Putain, il y a des yakuza sur les toits là-bas. Où ça? Sur la gauche. Ah, au fond là-bas. Ah oui, il y a quelqu'un là-bas. Wesh, elle voit trop bien, wesh. Oh putain, vous allez bien? Ouais, non, on a tout filmé depuis le toit. Hein. On a entendu des tirs. Venez. Un flic avec nous, j'en peux plus. Vous voulez qu'on y aille, monsieur Oliver? Y'a ta copine allez qui est là. Allez là, Sophie. Attention! Sophie, viens, allonge-toi. Je te connais pas, mais allonge-toi. Comment tu vas? Vous avez vu, Sophie, hein, on vous aide beaucoup. Hein. On est journaliste, en fait. Il y a des policiers en bas, Ok, y a des renforts qui arrivent. Depuis le début, je vous observe, vous m'avez même pas vu. C'est bon, il rentre dans la banque, c'est bon. Oh, putain, il récupère quelqu'un qui est blessé. Oh non, faut que je filme. Oh, troisième flic. Ça aurait pu être toi, Sophie, on t'a sauvé la vie. Eh, frère, ils t'ont donné un taser, qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui. Les Yakuza, ils sont partis, là, je crois que c'est la voie est libre. C'est pas fini, hein, peut-être, hein, je sais pas. Hein. Je vais les aider, moi. Non, Oliver, putain, recule du bord, là. Bon, Sophie, voilà, vous pouvez aller, là, parce que vous allez avoir des problèmes. Mais là, vous êtes en sécurité, Ouais, allez-y, faites attention à vous, d'accord? Je crois que c'est terminé, hein. Maintenant, 69, je vois, j'attends de voir 69. Dites-moi si vous voyez 69. Ouais, je regarde, je guette la porte d'entrée. Bon, alors, laissez faire leur travail, hein, putain. Vous voulez qu'on descend, on va voir? Je crois qu'il y a 69 en bas. Venez. Putain, les gars, c'était incroyable, là. Faites attention! Il y en a, ils vont tomber ici, là. Regardez, il y en a, ils vont tomber. Et voilà, c'était sûr! Et voilà, j'attendais que quelqu'un se casse la gueule. J'étais en train de me dire, bon, j'attends, ils vont se casser la gueule, là. Ma voiture, elle est juste là, la vieille voiture, là. Moi, je veux des nouvelles de 69, moi. Même si, voilà, elle me casse les couilles, mais c'est pris pour un militaire, 69, frère, je vais lui dire. Wouah, putain, les dégâts. Moi, je kifferais, c'est de rentrer dans la banque, voir. On passe à l'arrière, là, venez. On rentre par l'arrière, venez, on fait comme si on était. On dit, ouais, on est venu retirer de l'argent, ça va pas. On est journaliste, quelqu'un filme en discret. Venez. Ils me font faire de la merde, putain. Oh, les filles, on va retirer de l'argent, ok, d'accord. Ouais, bah oui, avec la paye que vous nous avez donnée, là. Il y a dû avoir un accident ici là, putain, les jeux savent pas piloter. Qu'est-ce qui se passe, ils savent pas piloter. Bon, on va retirer de l'argent. On va voir s'il y a un banquier. Ah ouais, j'ai pas ma carte d'identité, mince. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Vous pouvez sortir. Quoi, c'est fermé? Ah, on allait retirer de l'argent. On est désolé. Désolé, je voulais savoir si 69 elle va bien. Bah, 69 elle est à l'hôpital actuellement. Quoi? Elle est morte? Non, elle est pas morte. Non, dommage, putain. Non, c'est pas ce que je voulais dire. On va à l'hôpital, venez vite, on va aller voir. Mission accomplie. Putain, on a réussi à s'introduire dans la banque, c'est trop bien. On peut être journaliste, la vérité. On gère, hein. Et imagine, on fait des reportages, on va dans des cités, on se met dessus des temps, on filme en discret. Non, mais j'avoue, c'est un bon concept, ça. En plus, on s'en sort bien, on est solitaire et tout. On fait ça en dehors de quand on a fini le boulot, quoi, tu vois. On fait des reportages dangereux, tu vois, on va dans des cités. Et après, on pourrait le diffuser au cinéma, tu sais, en genre anonyme. Ah, mais c'est ça. Voilà, on a un concept, c'est bon. J'ai pas le temps de me garer là, je fais comme dans les films. Y'a quelqu'un? D'ailleurs, on va profiter pour visiter alors. Si c'est le cafétéria. Oh,
Mais attends, vous avez rien vu encore, venez voir. Un vrai hôpital, la vérité. On n'a pas le droit de rentrer comme ça. J'entends les sirènes. On va aller voir, il y a les sirènes. Ah, y a... voilà, ils sont là. Monsieur, monsieur, vous allez bien? Je sais que 69, elle bosse ici, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que je peux voir 69? Quoi, please, quoi monsieur, please, Jennifer. Et le bébé, il est en danger? Je suis son père. Je suis le père de Jennifer, s'il vous plaît. Est-ce que je peux le voir? Et nous, on est les cousines. Je vous en supplie. On l'aime tellement, putain. Elle s'appelle comment? Jennifer. Elle s'appelle Jennifer 69, son nom de famille. Johnson. Ah bon? Johnson. Sérieux? Ah, là, vous m'apprenez quelque chose. Hein. Putain, j'espère qu'elle va bien en tout cas. Non, je stresse, je stresse. Monsieur, monsieur, je vais vous dire un truc. 69, elle était à côté de moi. Et voilà quoi, elle s'est fait soigner et va bien, je crois. C'est ça le problème. De quoi? Elle s'est fait soigner. Après, monsieur, c'est pas notre faute. Elle est partie direct pour tirer. C'est pas notre faute. Elle s'est cru que pour un militaire, je vais l'enculer, frère. Non, c'est parce que. Mais elle est rentrée, mais les autres, ils étaient en haut de la banque. Elle était même, j'ai vu, j'ai observé, elle était même devant le bouclier. Normalement, théoriquement, tu te mets derrière le bouclier. Mais elle était devant, c'était elle le bouclier. Il y avait des otages. Là-bas. En fait, on est rentré parce que les otages ne sont pas voitures. Putain de bordel de merde. Il y avait des explosions chaque une minute, je sais pas pourquoi. À mon avis, ils essayaient de faire sauter les coffres, c'est ça, ça. Allô, oui. Ça va, comment? Ça va, tranquille, et toi? Ça va. Là, à tout moment, je vais crever. Comment ça, tu vas crever? Tu te rappelles de Akane et tout ça? Bah oui, les Yakuza. Ouais, bah les Yakuza, là, on va les terminer avec... Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, tu sais, j'étais à la banque, j'étais sur le toit, j'ai tout observé, toute la scène, j'ai tout filmé. C'est eux qui l'ont fait là. Mais Takao, c'est mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? Takao, il est mort. Il a été tué par ses propres gars, par ses Yakuza. Oh, les fils de pute, ils l'ont trahi? Ouais, non, ça, les Yakuza sont retournés contre nous, et hier, ils ont braqué mon cousin. Frère. Ils ont dit, je suis un fils de pute, et que Takao s'en débute. Donc là, on va les éteindre. Là. J'ai tout observé, ils ont fait un carnage avec les flics. Ouais, je sais. Bah là, c'est nous qu'on va leur faire un carnage, en espérant que tout se passe bien. Frérot, fais attention à toi, si t'as besoin, je suis là. On va s'abattre au coin. Vas-y, vas-y. Putain. Les gars, c'est la merde en ce moment. Je viens d'avoir une information grave là. Comment, venez, il faut que je vous raconte un truc là. Mais vous me promettez ça reste entre nous? Oui. C'est simple, là ce qui s'est passé, c'est grave. Takao, c'était mon pote, okay. C'était ses gars là-bas. Takao, il est mort, ses gars l'ont tué, l'ont trahi. C'est pas vrai. Je viens d'avoir une information avec un contact qui vient de m'appeler. Mais ce contact, ils sont partis pour chasser les Yakuza pour les éteindre, mais pour non, les finir. Quoi? Putain, c'est ça ce qu'il me dit. C'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit quoi? Bah en fait, je connais un ami là et non, il me dit de faire ça. C'est qui ton ami? Il s'appelle Chuba. Incroyable. Vous me la présenterez alors? Oui, je vous présenterai, il n'y a pas de souci. Ce que je viens de vous dire, ça sort de nulle part. Oui, je risque de mourir. Promis. Ryan a été pris en otage au Moulin Rouge. C'est Ryan qui a été pris en otage? Ryan, les employés du Moulin Rouge, il y avait Chewbacca. Il n'y a pas le feu comme si rien n'était. Ça a bien travaillé. Voilà, on n'a rien fait, ouais. Merci. Attends, il y a le médecin là. J'ai entendu par rapport à mes collègues et par rapport à l'un des officiers, est-ce qu'il paraît qu'elle s'est fait soigner? Et son bébé? C'est tout ce que j'ai comme information, on m'a rien donné d'autre. Mais sûrement, elle est en train de se reposer. Merci pour l'information. Bon, les filles, c'est la merde. Mais vraiment, que vous avez entendu comme info là, que les Yakuza, normalement, ils vont se prendre cher ce soir, ça reste entre nous. Même Valentin, tout ça, ceci, cela, personne. Ah non, mais moi je dis rien. Il y avait des mouvements, hein. Ouais, mais putain, mais c'est excitant, j'adore quand c'est comme ça, tu vois. Je vais appeler mon contact, les gars, je vais voir. Le mec qui va faire sauter les Yakuza. Il répond pas, il doit être sur le feu de l'action. Ah oui, moi pour mon projet, ça y est, je suis parti voir le mec là. Et j'attends la réponse, j'espère que mon dossier sera accepté. Mais on croise les doigts. Je vous dépose au cinéma. En tout cas, faites attention à vous, hein, putain, parce que si on a été repéré aussi, là, je sais pas ce qui peut se passer. Hein. Putain, surtout moi qui me fais kidnapper sans arrêt. Au revoir, monsieur Oliver. Ouais, merci, hein, vous me tenez au courant. Ouais, vous aussi. Bon, les frères, c'était incroyable quand même ce qui s'est passé. Vraiment, c'était pas prévu. Il s'est passé des choses, mais laisse tomber, putain. 69, elle a été touchée, j'ai pas pu la voir. J'espère qu'elle va bien. Bah, apparemment, elle est restée à l'hôpital, elle est blessée, elle se repose, mais elle va bien. Mais on a suivi la scène. Là, on va pas pouvoir suivre ce qui va se passer avec les Yakuza et Ryan, mais en tout cas, même Ryan risque de mourir. Qui va gagner, Ryan ou les Yakuza? Ces fils de pute, putain, ils ont tué Takao. Je suis choqué, j'aimerais bien savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est la vérité, hein. On aura bientôt notre réponse. J'ai trop kiffé cette journée, vraiment. Quelle journée de malade, quand même, hein. J'espère que ça vous a plu. On a plein de choses à voir ensemble, hein. On a plein de projets. On a Uber, on a journaliste à côté. L'histoire qui se passe avec les Yakuza et rien. Il y a tellement... Oh, laisse tomber. Mais c'est incroyable. Et aussi, vous devez me conseiller quel véhicule on va prendre pour Uber. Sur ce, les frères, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Bonne nuit.